J'ai peur pour toi.
Bonjour mesdames et messieurs, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que tout le monde va bien? Salut tout le monde! Bienvenue mesdames et messieurs! Bienvenue dans mon humble cuisine, les gars! On entend bien, vous me recevez, bonjour tout le monde. Attendez, alors le seul truc c'est que quand je lis le chat on me voit pas, mais bon c'est pas grave. Salut Drian, salut Cabe, bon courage pour le travail, salut Akira, salut O'King, salut Anorob, salut Sid, salut tout le monde, salut Drian aussi, j'ai vu passer Drian il me semble. Comment ça va tout le monde? Est-ce que on adore cet overlay kitchen? J'adore. Le setup professional official. Let's go! Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable! Ah, attendez. Bienvenue! Bienvenue sur ce stream, bien sûr, cuisine, bien évidemment. Alors, attendez, je sors les big guns là. Bien sûr. Et là, regardez, là si je fais ça, vous me voyez. C'est excellent. Est-ce qu'on voit bien la table? En vrai, ça va. Merci beaucoup, King. Elle m'a appelé Anorb. Se démerde pour modérer. En plus, je peux pas trop modérer là, avec ce setup de la Hesse. Un peu. Bon, on va pas bouger ça. On va laisser comme ça. Voilà. Ah, oui, j'ai pas fait des réglages sur les couleurs de la caméra. Parce que c'est pas très beau. Attendez, on va mettre un petit peu de finalement de saturation, donner des couleurs à cet endroit un petit peu. Non mais attendez, on est où là? Regardez-moi ça. Regardez, hop. Là, je suis un peu moins blanche quand même. Bon, mesdames et messieurs, aujourd'hui stream poté, hein, première étape du stream anniversaire. Je l'avais dit, je l'avais promis, je le fais. On va faire une potée ensemble. Pas n'importe quelle potée, une potée de fête. Et pas n'importe quelle potée de fête, une potée de fête végétarienne. Parce que j'avais pas trop envie de toucher à des gros morceaux de barbecue à 10h du matin, quoi. Voilà, sur place ou en potée. Excellent. N'hésitez pas à partager vos meilleurs jeux de mots, bien sûr. Faire le point d'exclamation potée, afin de voir l'origine de la potée, finalement. Alors, pour faire cette potée... Je vais mourir. Pour faire cette potée... je vais me servir aujourd'hui d'un super ustensile ici. Attention, on passe en mode téléachat, bien sûr. Le Vorwerk numéro BT4000 permet de faire les meilleures recettes de cuisine. Pour toute bonne femme au foyer, achetez un Vorwerk, bien sûr. Le Thermomix, bien sûr. La musique est pas trop forte par rapport à ma voix, ça va? Le meilleur jeu de mots. Aïe aïe aïe, c'est vrai que la dernière fois quand on parlait de Mario Party, on a fait les meilleurs jeux de mots sur les clans, c'était un peu compliqué. Alors, ici vous avez le plan, bien sûr, le plan de travail. Le plan de travail, excellent. J'ai préparé mes petits ingrédients, je suis allée les chercher hier, on a fait son petit marché. Donc on a acheté un petit peu de tofu fumé, moi j'ai jamais goûté, on va voir. Du lait de coco. De la crème de coco, pas du lait de coco. De l'ail, des PDT, bien sûr, des PDT, effectivement. Du poireau, brocoli, fenouil, carotte. Il me manque quelque chose. Oignon. Il manque oignon. Tu peux baisser. Je baisse un peu la musique. N'hésitez pas à me dire si c'est bien comme ça. Des oignons. Vachement forte, elle est vachement forte. Et là, est-ce que c'est mieux?
On est en détente. C'est mieux, très bien, super, bien sûr. Alors, là c'est trop top idéal, un site trop mignon, finalement. Voilà, là, alors la recette. Ne m'en voulez pas si j'arrive pas à lire le chat, parce que, en gros, là vous avez ma cuisine, mon PC il est là-bas caché, on le voit pas. Là j'ai mon téléphone, je peux pas lire le chat. Et il faut que je regarde la recette en plus. Car, bien sûr, je n'ai jamais fait cette recette auparavant. Sinon, ce serait trop facile. Alors, la potée, tac, tac, tac. À mon avis, il faut que je commence par le téléphone. Mais oui, vous le voyez en plus. Regardez, regardez à quel point je commit. C'est actuellement un bout de carton scotché à la fenêtre pour pouvoir avoir ce plan magnifique du plan de travail. C'est top de professional. C'est quoi un petit pot avec une épée face à une carotte avec une épée? Un bon duel. Allez. Donc là, je vais prendre ma planche à découper. Effectivement. Alors, on va commencer par découper les petits légumes. Petits légumineux. Hein? Pour grandir, il faut manger des légumes. C'est ce que toujours ma grand-mère disait. Et du coup, je fais 1m58. C'est compliqué. Mais bon. Telle est la vie que j'ai décidé de mener. Pour ce faire, je pense que les oignons et l'ail, on n'a pas besoin de les découper vu que le Thermomix le fait. Blablabla. Hop, ma planche à découper. Je ne sais pas découper du fenouil. À tout moment, je regarde un tuto pour regarder comment on découpe du fenouil parce que je ne sais pas découper du fenouil. Est-ce qu'il y a des experts en fenouil dans le chat? Je vais peut-être commencer par les carottes du coup. Et le poireau. Parce que je ne sais pas découper les fenouils. Comment on découpe du fenouil? Fuck le fenouil. Akira! Ah mais toi, du coup, tu sauras découper du fenouil. Comment découper? Je vais vraiment... Victoria, 25 ans, découper du fenouil. Comment on fait? Ah, il faut le couper en deux et après le couper en lamelles. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Bien sûr. Donc... Si jamais l'envie vous prend de refaire la recette à la maison, j'imagine que ça se passe un peu de la même manière avec une sauteuse. Sauf que l'avantage du Vorwerk 4000, c'est un panier cuisson, ainsi que le système Varoma qui permet de cuire, vous voyez pas, qui permet de cuire les légumes à la vapeur. Incroyable. Je suis pas sponsor, Vorwerk, vous faites quoi? Je vous attends, le code Vicky20. Tu sais pas couper des légumes? Je sais pas couper du fenouil. Je sais couper des légumes, mais pas du fenouil. On va commencer par éplucher les carottes. Allez, c'est parti. Mais regardez comment ça rend bien. Vous voyez bien quand j'épluche des carottes et tout, c'est incroyable, non? C'est top de qualité ici ou quoi? Faut pas les choses à moitié. Hop. Ah, j'ai déjà fait tomber quelque chose. Oh, le squat. Oh mon dieu. Oh, le dos. Oh, la vieillesse. Comment cuire des carottes? T'en prends 9, tu enlèves une et voilà, les carottes sont cuites. Alors, là, j'enlève la peau des carottes. J'adore les économes comme ça, c'est mieux que les économes en forme de couteau, là. Ah non mais si, j'espère que je vais pas me couper un doigt quand même. Ce serait un peu con, j'en ai besoin pour le reste de la journée. On va éviter de se couper un doigt. Et non pas le streamer doigt. Couper un doigt. Couper un doigt. Doigt. La carotte, bref. Alors, la carotte. La carotte c'est excellent, la vitamine D bien sûr, vitamine bonne mine finalement. N'hésitez pas à manger des carottes si vous voulez avoir l'air un peu plus hâlé. Ça, c'est bon pour le teint. Et pas l'herbe aromatique, putain. J'arrête. Les jeux de mots qui fusent ce matin. Quel enfer. Quel est le point commun entre les maths et le sexe? Quoi? On parle de cuisine, là? Plus il y a d'inconnus, plus c'est chaud. Oh putain, quel enfer. Les carottes. On va les couper en rondelles.
j'adore les carottes. Peut-être pas dès le matin quand même. Bon alors comment ça va vous sinon? Est-ce que vous êtes prêts pour aujourd'hui? Est-ce que ceux qui ont voulu préparer un truc pour le concours, vous avez réussi? Comment ça se passe? Si je l'ai cuit à la vapeur, ouais. J'aurais dû les faire en biseau. Oh putain, j'ai pas fait les biseaux. Oh et merde. Et voilà. La recette, elle est foutue, quoi. On va les foutre directement dans le Varoma. Ça va, j'ai record comme j'ai pu. J'ai pas pu faire le multi-instrument que je voulais. Ah merde. Merde. Mais je suis sûre que ça sera très bien, Akira. Oh putain, il y a deux étages sur le Varoma. On va dire qu'il y en a qu'un. À l'aide. On va dire qu'il y en a qu'un. Allez. Et on va mettre tous les petits légumes qui vont partir après en cuisson. Cuisson à l'étouffée, quoi. Et oui, Anno, effectivement, moi, je sais déjà que t'as pas pu, mais. Est-ce que vous avez vu le dessin que j'ai fait hier? J'en suis trop fière. Ok, là, je fais pas de chleuasme, ok? Et merci KBKO pour le level up, merci beaucoup. J'étais trop fière de moi. J'espère que le téléphone va... Normalement, le téléphone va pas couper. Et du coup, Akira, ton père, il est chef, c'est trop bien, ça. Moi, mon papa, il cuisine beaucoup, mais il est pas chef. Mais c'est lui qui m'a un petit peu appris tout ce que je sais en cuisine, quoi. Après, j'aime beaucoup la pâtisserie. Mais la pâtisserie, ce qui est chiant, c'est quand même très précis par rapport à la cuisine où t'es pas obligé d'être aussi rigoureux, quoi. Par exemple, si tu fais des macarons, mettons. Si tu te foires dans une étape, dans une tare, là, t'es dans la... Vous avez vu que j'ai failli mourir, là? Vous avez vu que j'ai failli mourir? Vous avez vu, hein? Bon. C'est pas de ma faute. C'est la carotte. Putain, la carotte! Arrête de bouger! Et là, ASMR croquage de carottes. Est-ce que vous avez kiffé ou pas? Très bonne cette carotte. Mourir, non mais. Je perds un doigt, je meurs quoi. Alors. Je vais éternuer? Non. Ok. Maintenant les brocolis. Brocolis, un légume god tier, hein, bien sûr. On adore les brocolis. Regardez-moi ce brocoli de qualité. L'ASMR croque-carotte. Oh, est-ce que vous vous souvenez de ce jeu croque-carotte? Ah, oh, c'était trop bien. Croque-carotte. C'était le feu. C'était un jeu de société. Croque-carotte. Alors. Le brocols. Comment on se le fait? On se le fait... Est-ce qu'il y a des gens qui font comme ça pour le couper? Regardez. On dirait un petit arbre. Wesh, petit coucou vite fait, je suis à l'aéroport. Oh, des bisous, Ninis, tu t'envoles. Tu vas où, Ninis? Tu viens me voir? Oh, c'est trop gentil. C'est la surprise, c'est ça? Ninis qui fait un happening. Tu nous as pris des billets d'avion si tu vas à Copacabana? Tu t'envoles à Strasbourg? Ah ouais. Alors. Si, c'est sympa Strasbourg, non? Je sais pas. Je crois. Comment? On va faire comme ça. Parfait. Qu'est-ce que tu vas faire à Strasbourg? Hop. Incroyable. De la verdure, on adore. Ah, tu vas voir Glouglou. Ok, stylé. Tu lui feras un bisou de ma part. Sacré Glou. Trop mims. Ok. Hop. Ça, c'est bon.
pour le brocoli. Brocoli. Oh. Que fait une fraise sur un cheval? Tagala. Rien de ta part? Eh oh! Dis donc. C'est trop mignon que t'ailles voir Glou. Ok. Ah, mais s'il y avait la puissance du brocoli, je fais du brocoli, ce serait incroyable. D'ailleurs, c'est grâce à lui si on a le clip de la potée, en plus. Est-ce qu'il faut couper le tofu? Ok, on coupe le... Attendez, le poireau, est-ce qu'il faut que je le coupe? Nis. Mettre le tofu fumé, blablabla. Mettre en place le varomaï, mettre les pommes de terre, le fenouil, le poireau, le chou-fleur. Ah, il faut que je... j'ai pas pris de chou-fleur. Hein. Il faut que je coupe le fenouil et le poireau encore. Je suis arrivée un peu tôt, j'ai tellement de temps à attendre. Ah, mieux vaut arriver trop tôt à l'aéroport. Non mais tofu ou quoi? Je sais pas s'il est prédécoupé. Est-ce qu'il est prédec? Il est prédec, il est pas prédec, ouais. Ça donne pas envie comme ça. Ça donne pas de fou envie. Hein. Mais bon. Ça on verra après. Alors, il faut encore qu'on coupe le poireau. Bien sûr. Alors. Moi, quand je coupe un poireau, généralement, je pleure comme je coupe des oignons parce que les poireaux, ça, c'est fort. Voilà. On a besoin que du blanc, là. Le reste, le vert, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, pour faire un bouillon, une soupe, ou je ne sais quoi. Mesdames et messieurs, bien sûr, avant tout, on conserve les ingrédients, ne jette pas, voyons. Découpe-moi le poireau. T'as vu mon poireau, Ninis? Il est énorme, en vrai. Ça, c'est un gros poireau. Ça, c'est un gros poireau. Hop. Voilà. Et on le découpe... Rondelle? Rondelle de poireau? Bouge. Hop. Ça, c'est typiquement le truc que je ferai jamais de cuisiner le matin comme ça, mais qu'est-ce que c'est agréable en vrai? C'est trop bien. J'adore. Bientôt Vicky dans Top Chef, quoi. Hop. Est-ce que je le couperai pas en... Attendez. Wait a minute. Est-ce que je ferai pas genre... Aïe. Voilà. Poireau, c'est bon pour... bien sûr, le bifidus actif. Comme dans les yaourts Activia. C'est la même chose. C'est la même chose dans les poireaux. N'hésitez pas à manger des poireaux. Tu l'as mouillé? Ah non. Too late. pour pas chialer, c'est ça? Trop tard. Hop. Les astuces de chef de Akira, quoi. Trop bien. On me backseat pas la recette, s'il vous plaît. Ok, alors. Non, mais oh, on est où, là? Alors, tac. Pour le fenouil, tu coupes les tiges vertes, puis tu coupes en deux, puis tu en re-deux. Enlève pas le cœur, vu que tu le fais cuire en potée. Ah! Vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêt pour le fenouil? On enlève le vert. Culé, c'est dur. Ok. Ouah, c'est... Waouh, ça sent fort! Je mange jamais de fenouil.
Putain, mais les branches, on dirait de la nette. Non ? Tu peux garder le feuillage si tu veux en faire émissionner ou les filer un cube dans l'eau. Ah, ok, stylé. Ok. I'm keeping this. Donc là, je le coupe en deux. Là, c'est le moment où je me coupe un doigt, finalement. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est super dur. Il est pas mûr, mon fenouil. J'arrive même pas à le couper. Allez. Oh la vache. Ok, c'est bon. Waouh. On le recoupe en deux. Ok. Et là, je le recoupe en petites lamelles. C'est ce qu'ils disent sur l'internet. Ta-ta. Salut Kowa! Bon anniversaire de stream beauté. Je travaille et j'arrive pas à l'heure que j'ai donné. Donc je repars, mes gros bisous. Je sais pas si t'es déjà reparti, vu que t'aimes pas quand on te dit au revoir sur les streams, quoi. Mais je te fais des gros bisous. Bisous, la meilleure. Et salut, Adam! Comment ça va? Alors, du coup, il faut que je recoupe en quartier. Ok. On va faire comme ça. C'est pas grave si c'est pas parfait, hein. Moi, le fenouil, je le pratique pas tous les jours, quoi. Et le fenouil, est-ce qu'il faut que je le mette dans le varuma? Et bon courage, bien sûr, pour le travail, bien sûr. Alors, attendez. Blablabla. Ouais. Ok, donc ça va... Non, je veux pas ouvrir TFT. Petite TFT, là ? Ah, j'ai pas enlevé le bas un peu dégueulasse, là. On va l'enlever, ça. Ah, attendez, toi... OMG. Tac. C'est pas, ça a une odeur... J'ai l'impression que ça sent... Ça sent l'anis, un peu, le fenouil. Ou c'est moi. Ça sent très parfumé. Voilà. C'est un peu mon avis. Voilà, ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas. Après... voilà quoi. Ok. Ce sera des gros bouts de fenouil. Bon, c'est pas grave. On commence à avoir une... On commence à avoir pléthore de légumes là. J'espère que ça va avoir du goût. Je pense, y a pas de raison. Hop. Bon alors du coup, est-ce que vous avez regardé All of Us Are Dead sur Netflix? Trop bien cette série. Je la finisse aujourd'hui, je crois. Enfin, aujourd'hui. Je vais pas avoir le temps, mais... J'ai très très envie de la finir, quoi. Hop, bim bam boum. Et ça fait bim bam boum, ça fait pchit et ça fait vroom. Ok. Donc tout ça... Belle. Salut Ninteo, comment vas-tu? Je fais une potée de fête, Adam. N'hésite pas à faire le point d'exclamation potée, bien sûr. Afin d'avoir l'origine de ce pataquès. Je fais une potée végétarienne, du coup. Voilà. Donc, je pense que ça va être... J'avoue, j'ai pas mis ce que je faisais. Mais de bon rien. Oh le méchant. Donc là actuellement... Oh c'est lourd. Ah mais je suis trop con. Depuis tout à l'heure. Ça a freeze. Pourquoi ça a freeze? Pourquoi ma cam elle a freeze? Et l'autre elle a freeze aussi. Ah non c'est bon. Ok. Depuis tout à l'heure en fait il me faut que 200 grammes de chaque légume. Et là j'ai mis bien plus que 200 grammes de chaque légume. Hop, fais chier. Rien que le fenouil, je crois qu'il faisait genre 500 grammes. Merde!
Ok. Bon, on va piffer. Je vais tout mettre dans une casserole et au pire, je ferai une soupe. Ce qu'il y a en trop. Ça, c'est parce que je suis pas réveillée. Le poireau, il faisait beaucoup plus que 200 grammes aussi. Quoique, le blanc du poireau, peut-être pas. Mais en tout cas, le fenouil, il y en a trop. Un peu de poireau en moins. Le brocoli, il faisait genre 300 grammes. On va le laisser parce que j'aime bien le brocoli. Et les carottes, voilà quoi. Parce qu'il faut aussi que je mette des pommes de terre, quoi. Ça va pas rentrer au bout d'un moment. Les PDT, bien sûr. Voilà, on va enlever un peu de tout. Quel enfer. Voilà, je ferai une soupe avec le reste. Enfin, les brocolis, non. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à lire bien lire une recette avant de cuisiner, bien sûr. Bien sûr. Oula ! Ah, mais j'ai TFT qui s'est ouvert, mais quel enfer. Je veux pas ouvrir TFT. OMG. C'est pour ça que ça bug. Ouais, mais après, je sais pas si ça va rentrer dans le Thermomix. Les pommes de terre, il faut qu'on les coupe aussi. C'est le dernier truc qu'on a à couper. Ensuite, on va passer à la recette. Ok. Ça, je vais le mettre. Je sais pas où. Je sais pas où je le mets. Je vais le mettre là-bas. Les PDT. Alors, 200 grammes, ça fait un cinquième. Mais il en faut pas beaucoup. Hop, les deux petites épis, voilà. Basta. Elles sont trop mimes. Je vais les laver un coup. Du petite pomme de terre, là. Hop. On va les couper. Je suis sûre que ces pommes de terre seraient parfaites pour faire des potatoes. Prochain live cuisine, je fais un live... je fais un live bien gras potatoes. Sauce creamy de luxe et tout, là. La vie. Là, on est en mode VG parce que voilà, mais... N'importe quoi. Alors, hop. Ah oui, aussi cet après-midi du coup. Donc là, je vais faire la potée et je couperai. Je reprends à 14h, on fera des jeux ensemble. Donc il n'y a pas besoin d'avoir n'importe quel jeu grâce à Koa, ce petit cœur d'amour, qui m'a montré Twitch Party qui permet de faire des jeux ensemble à partir du chat. Donc n'hésitez pas à venir, ça va être trop bien. Ensuite, il y aura les résultats du concours. Concours. Et après... Le karaoké, et bien sûr, on finit par le Mario Party. Ça va être incroyable. T'as pas de balance pour peser tes aliments? Non. Non, et en plus, la tare du Thermomix ne fonctionne plus. Donc, voilà. Seul feeling, moi, tu sais, j'ai fait Top Chef la saison dernière, là. Je t'ai caché derrière le chef best, on me voyait pas. Ok. Je le sens, les aliments me parlent. Ok. Voilà. Nos légumes coupés. Couteau plonge. Coupe 2. On a nos légumes coupés. Après un petit Gartic Fun, c'est toujours cool. Je sais pas si on aura le temps. Plus on doit faire le Où est Charlie. Plus je vous ai fait une vidéo pour les 1 an de la chaîne que je voudrais vous montrer. En vrai, on verra, mais il faut déjà que tout se passe. Donc on a découpé tous nos ingrédients. C'est mon côté psychorigide, mais quand je vous suis une recette, je suis obligée de la suivre assez précisément. mais là, je suis désolée, Ninteo, si ça te trigger, mais genre en gros, je parlais et en fait, j'ai oublié de me dire merde, il me faut que 200 grammes de chaque ingrédient. Et tu sais, genre, j'ai acheté un fenouil, mais un fenouil déjà, ça fait genre 500 grammes. Voilà, je suis pas réveillée quoi. Alors,
Mettre le tofu fumé, 20 g d'huile d'olive, d'un et puis mélanger. À mon avis, le tofu, il faut aussi le... Ah, oh, merci beaucoup Adam pour les 100 bits. Pourquoi ils sont cachés? Pourquoi sont-ils cachés derrière la webcam? Bah, les alertes sont tout devant. Je ne comprends pas. Ah, ça t'a juste surpris. Merci beaucoup Adam pour les 100 bits. C'est très bizarre. Je vais supprimer l'alert box et la remettre. Attends. C'est bizarre. Normalement, elles sont devant. Devant tout. Non mais oh, on est où là? Voilà. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas... Comment ça s'appelle? Ah, salut Darky! Stream Labels, est-ce que je l'ai sur cet ordi? Stream Labels? Yes. Ok, je vais l'ouvrir. Allez. Si je peux donner un conseil, si vous avez des bits à donner, attendez le karaoké. Oh putain, quel enfer. Et même les mode wall, ça c'est normal. Voilà. Depuis tout à l'heure, n'importe quoi. Comment il va, Darky? Le tofu. Le tofu, il y en a. Ah, ben 200 grammes tout pile. Incroyable. J'aurais pu prendre le tofu comme référence pour mes ingrédients. Mais ça, c'était avant de faire de la merde. Ça, c'était avant. Éponge, plonge. Ah, pourquoi c'est juteux? J'ai jamais cuisiné de tofu de ma vie. On dirait de la mousse de canard. Ok, ça sent pas mauvais. J'aime bien. C'est du tofu fumé. C'est pas du tofu... C'est pas du tofu nature. Dans la recette, ils disent tofu fumé. Je sais que j'ai une pote qui a acheté du tofu mariné à la tomate et tout. C'était super bon. Donc, bon, y a pas de raison. Puis on va ajouter plein d'épices et tout. Donc, normalement, ça devait être bon. Ouais, si j'arrive à mettre le truc en place pendant le karaoké, de changer ma voix avec voice mode, si c'est pas trop le bordel. Je pense pas que je le ferai tout le long. Tout du long du karaoké, mais on va peut-être essayer de faire ça. Si c'est trop galère, si j'oublie aussi, il y aura peut-être ça. On va faire des petits cubes. Ah, poil du chef. Hop, 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 hop. Ok. J'allais trop dire, c'est trop agréable à couper, on dirait de la pâte à modeler, mais ça donne peut-être pas trop envie d'en manger, quoi. Voilà. Alors, tu viens de te réveiller. Bon, ça va, il est 11h18 en vrai. Tranquille, ça va. Pierre, vous viendrez me taper sur les doigts, c'est moi qui ai dit d'attendre. Voilà, taper sur les doigts de Anou. Anou Rob. Alors, la suite. Donc maintenant, je dois mettre le tofu fumé, 20 g d'huile d'olive, cumin, sésame, pincée de sel, poivre. Cumin, sésame, cumin, sésame, ouvre-toi, sésame, cumin, sésame, sel, poivre, 20 g d'huile d'olive et tofu, dans le truc. Mélanger, 10 secondes, vitesse 2,5. Mélanger.
Alors. Allume-toi. Incroyable. 20 grammes d'huile d'olive. Je sais pas si j'en ai assez. Grammes. Parfait. C'est vraiment pas le pire pull pour cuisiner par contre. Hop. Le tofu. Et non pas l'émission T'es fou. Ok. Et donc, le cumin, il faut quoi? Ah, merci beaucoup Nanoï pour le resub. Let's go, le live anniversaire. Comment ça va? Merde. Creusy. Pas de gros mots, putain. Comment il va Nanoï, hein? Je sais que tu préfères me taper les fesses d'Arki, mais pas en public. Ah. Cela ne nous regarde pas. Deux cuillères à café de cumin. Une cuillère à café de graines de sésame blanc. Moi j'ai du sésame doré, mais... Deux cuillères à café, une cuillère à café. Une petite cuillère à café, ouais. Pourquoi j'ai pas de cuillère à café normale? J'ai que des grosses cuillères à café. J'ai que des petites, pardon. Ah, cuillère à café. Cumin. C'est bien dosé ça. Allez, du croc. Mais. Ah! C'est la catastrophe. Ah ouais, c'est. Du croc me sponsor pas parce que là, c'est galère ton truc là. J'espère que ça fait deux cuillères à café. Graines de sésame. Plus. Sel, poivre. Coupe 2. Oh mon dieu, cassé top OMG. Comment il va, Doajou? T'as vu tes VIP, Doajou? C'est bizarre. Je t'ai gardé VIP. Tu le mérites. Oh, regardez, je peux faire ça. Ça fait rien. Attendez. Est-ce que ça a changé quelque chose? J'ai mis de la lumière au-dessus de ma tête. C'est très important d'assaisonner, mesdames et messieurs, bien sûr. T'es une vieille pie. Ah, une vieille pie. C'est marrant. Ok. Donc là, mes ingrédients. S'il vous plaît. Ah, la technologie, hein. Les jeunes et tout, là. Comment on fait? Au secours. Ah, let's go. Ça. Et la recette, elle dit. Ah, salut Chacha, comment vas-tu? Comment elle va, Chacha? Mélanger 10 secondes, vitesse 2,5. 10 secondes, vitesse 2,5. 10 secondes, vitesse 2,5. Alors. Mélanger. Il y a une flèche. Non mais je vous jure, il faut un bac plus 5. J'en ai un, heureusement. Vers la gauche, la flèche, elle va vers là. De vitesse 2,5. Oui, 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 oui. C'est pas du tout mélangé. Excellent. Allez, on refait. Non! Merde. OMG. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui. Tout va bien.
Ne vous inquiétez pas, je suis une professionnelle. Ok, c'est prêt. J'ai peur que ça ait haché le... Oui, oui. Ah, ça l'a un petit peu haché, mais tranquille. Ça sent bon. Bac plus 5 en quoi? Bac plus 5 en technologie. Et salut Kawid! Comment ça va? Coucou Caps. Y'a Caps? Oh, mais non Caps, comment vas-tu? Salut Caps! Salut! Comment ça va? Là, franchement, je vais pas vous montrer ce que ça donne parce que ça donne pas envie de manger. Donc, on va éviter. C'est quoi l'étape suivante? Le visuel est pas très attrayant. Je vais pas vous mentir. On dirait un petit peu les... Vous savez, les trucs pour chat. Sheba, là. Mais merci beaucoup pour les... joyeux stream anniversaire. Mettre les oignons, l'ail, le gingembre et le curcuma dans le bol, puis hacher. Transvaser dans le panier cuisson. Ah, il faut que je transvase dans le panier cuisson. Ah! Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Is ok. Comment on fait déjà? Et... Ah, voilà, comme ça. On transvase. Ça donne pas du tout envie. OMG! Pour l'instant, visuellement, on est sur un 3 sur 10. C'est vraiment pas très attrayant. Mais je ne doute pas que le goût va rattraper nous. On va laisser. Ça va laisser ça comme ça. J'ai pas parlé. C'est ok? Les oignons, mesdames et messieurs. Cette tête de cuisine est formidable. Merci beaucoup. Vous avez vu là-bas, là, vous voyez ça là? Ça? C'est mon téléphone qui est scotché à la fenêtre. Pour avoir le magnifique plan de travail. Je fais une potée végétarienne. Alors normalement, si vous faites ça... Let's go! Une potée de fête, comme dans Mario Odyssey. Ah bah, du coup, Caps, t'as dû le voir. Mario, il prépare une potée dans... La potée de fête, tu l'as vu. Je te spoil rien de Mario Odyssey. Bon, après, c'est pas un énorme spoil, mais bon... Alors, on va mettre les oignons. Et du coup, j'avais dit que je ferais une potée de fête pour les 1 an de la chaîne et je commit, quoi, finalement. Alors. Je crois que je vais aller enlever ce pull et je vais aller mettre autre chose parce que ça me saoule pour cuisiner. Alors, c'est très chiant. Attends, vous m'en voulez pas, je reviens dans 2 secondes, je vais juste changer de pull. J'arrive. Pas encore, je t'en veux terriblement, c'est infâme. Ok. I'm sorry. Je vais faire un harakiri en direct. C'est parti. C'est parti, c'est maintenant. Vous savez que Caps il dessine. Merde. Vous savez que Caps il dessine. Je vous menace avec un couteau. Allez voir son Insta. Caps Lock. Si vous tapez Caps Lock sur Insta, vous trouvez son Insta. Et là, il va faire. Il y a un faux raccord bulle. Merde. Est-ce que vous regardiez ça sur Allociné? J'adorais Michel et Michel. Les analyses de films. Les faux raccords et tout. J'aimais trop. C'était trop bien. Un oignon. Merde, j'ai fait la tare après. Quelle conne. Ouais, bon, là, ça déconne, forcément. Ça, c'est un gros oignon. Ça, c'est un gros oignon.
Mais c'est un gros tas de merde. Quel ref. Putain, je sais plus comment il s'appelle cet acteur d'ailleurs. Ah ! Aïe ! Putain, comment il s'appelle ? Ce BG là dans Jurassic Park. Merde. Hop. Ah ouais, rien que cette tenue, il faisait 120 grammes. Alors que les menaces à armes blanches, ça existe toujours, fort accord. Ah ouais, putain. Danny Boone. 100% Danny Boone. Bien sûr, Jurassic Park avec Danny Boone, finalement. Bien sûr. Fallait que je rajoute autre chose, là. L'ail, non. Une gousse d'ail, je crois. C'est... Mais non, mais vous savez, celui dans le premier qui est trop BG, là. Une gousse d'ail. Du gingembre, j'en mets pas parce que j'aime pas trop le gingembre. Enfin, je vais en mettre en poudre. Ail, gingembre et curcuma. Alright. Il vient d'où le layout ? Je sais pas si vous vous souvenez du jeu Cooking Mama sur DS. Eh bien, je m'en suis inspirée, finalement. Et encore, Chacha, t'as pas vu mon écran ? Putain, attends, Chacha, je suis désolée, hein, je fais juste regarder. Regardez. Ah, Jeff Goldblum ! Hop, je vous fais juste pour ceux qui arrivent, là, regardez. Voilà, ça c'était cadeau. C'était l'écran d'attente. Et ouais, du coup, je me suis dit, ce serait drôle de faire un écran d'attente en mode cooking mama. J'aurais pas dû faire ça. Normalement, quand on a une gousse d'ail, si on l'écrase, la peau s'enlève, mais là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref. Gousse d'ail, un petit peu de gingembre. Putain, j'aime vraiment pas ça. J'en mets juste un tout petit peu. Et du curcuma. Et il en faut combien du curcuma ? Je viens de voir le dernier chapitre de One Piece. Ah, je regarde pas One Piece au King. Enfin, je lis ou ne regarde pas One Piece. Je suis désolée. Cuir à café. J'ai pas la ref, quoi. Merci Akira pour le level up. Curcuma, ça sent bizarre. Ça sent un petit peu le vieux. Ah, c'est joli par contre la couleur. J'aime bien. Hop. Bon alors, vous en pensez quoi de ce petit stream cuisine ? Ça change ? Et vous voyez, j'ai des jambes et tout, là. Incroyable. Ok. Bon, merci pour quoi, Kira. Alors, là, c'est haché 5 secondes vitesse 5. Haché 5 secondes vitesse 5. Tac. J'ai oublié de couvrir. OMG. J'ai oublié de couvrir. Mais merde. Oh, ça sent. Ça sent les épices, hein. Eh. C'est coloré, hein. Ça sent bon. Oh, ça, je vais pleurer. Entre le gingembre et l'oignon, là. Racler les parois, ils ont dit. On racle les parois. Eh, vraiment, le Thermomix, c'est la vie. Hein. La vérité, c'est trop bien. Et bien sûr, à la fin du live, je vous fais gagner un Thermomix. C'est faux. Tout à fait. Je dois sortir les dogos. Ah, toutes. Le curcuma, ça sent le vieux. Que tu roulais jusqu'à ton ordi, imagine. Ce serait drôle. Enfin, bref. Ajouter les 15 grammes d'huile d'olive restant et rissoler 3 minutes à 120 degrés. Ah putain, faut que ça chauffe du coup. 120 degrés, j'ai pas 120 degrés. Hein. Moi j'ai 100. Attends, fais la tare. 15 grammes, ils ont dit. Blablabla. 15. Je suis ricrac niveau l'huile d'olive là.
Allez. Allez. Ok, c'est bon. Ouf. Pas passé loin de la catastrophe, finalement. Par contre, si je veux bien que tu chauffes, ça serait cool. Et on a dit 3 minutes. Tu peux remplacer l'huile d'olive par l'huile de vidange. Ah oui, c'est vrai ça. Après, tu fais un petit tour à l'hôpital et tout. Ah, ça y est, je pleure. Ah, ça y est, c'est maintenant. Je suis trop émotive, voilà. Finalement. Ah, l'oignon. Pourquoi? Ah, j'ai pas 120 degrés. Ce sera 100. C'est pas grave. Oh mon dieu, pas de backseat d'eau à jour. On backseat pas la recette, merde. Vitesse cuillère sans le gobelet doseur. Sans le gobelet doseur? Comment ça, sans le gobelet doseur? Ah oui, faut pas le mettre là. C'est un gobelet doseur? Il est où? Y a pas du tout de dose dessus. Hein. Trois minutes. À vitesse, comme ça. Ok. Bon, on a 3 minutes. Bébou! Est-ce que tu me gnionnes? Bébou? Ah, les oignons, ça pique sa mère. Je sais pas si je vais pas me faire un petit café. Est-ce que tout le monde a bu son petit café, son petit chocolat, son petit thé ce matin? Vous êtes plutôt quoi? Plutôt team chocolat, plutôt team thé, plutôt team café, plutôt team iced caramel macchiato, quoi, finalement. Ah, attendez. Merde, j'ai fait tomber mon truc. Bébou, on voit les chaussons. Oui. Et en plus, c'est pas n'importe quelle chausson, c'est des chaussons isotonnerres. Ils sont trop bien, les chaussons isotonnerres. Ah! Je m'arrose la gueule. En vrai, je pourrais faire du bouillon avec ça, là. On va tout récupérer. Plus le verre. Ça, je vais le mettre là-bas. J'ai des jambes et des pieds. Mais les chaussons de vieux, c'est la vie. Mais les gars, les chaussons isotonnerres, c'est une tuerie. C'est comme des on est à l'aise, finalement, comme dans des chaussures. C'est incroyable. Mais oui, j'ai des jambes et des pieds, mais c'est fou. Mais stream des révélations aujourd'hui. Mais c'est incroyable. À la poubelle. Tac. 4 étoiles sur Wikifit. Ah, oh, mon dieu. Vous imaginez, je suis sûre qu'il y a des gens qui paieraient pour voir des photos de mes pieds. Oh mon dieu. C'est horrible. Ah, dois-je vous... Il veut donc des photos de mes pieds. Ah, super. Oh putain. Eh ben, fantastique. Non mais regardez ça. Pendant que je cause et tout, c'est en train de fumer. Vous voyez le plan magnifique là? C'est incroyable. Là, je suis en train de ranger tranquillou, j'ai rien à faire. Non, franchement, c'est une tuerie. Hein. Des photos de yep. Après, moi, je vous préviens, moi, j'ai des pieds de hobbit, hein, donc on va se calmer tout de suite. Ça n'attire personne, ce genre de choses. OnlyFans, ça existe pourquoi, à votre avis? Mais pas que pour les pieds, hein. Enfin, je pense. C'est prêt. J'arrive. Arrête de sonner. Ça commence déjà à sentir super bon. Et vous êtes plutôt quoi du coup? Ah, team chocolat contre team quoi? T'as même pas mis team café, wesh. C'est pas des pieds, c'est des panards. Exactement. Only fit.
Mais en vrai, en plus, je crois que tu fais pas mal d'argent avec OnlyFans. Hein. Bref, ajoutez l'eau, le cube bouillon de légumes, insérez le panier de cuisson et y mettre les carottes. Ah merde, les carottes, elles sont en bas. Attendez. Ah, l'eau, il faut combien d'eau? Wait a minute. 600 grammes d'eau. Vraiment, mettez 600 grammes d'eau. Vous voulez pas mettre genre 60 centilitres d'eau? Non, 600 grammes d'eau. Allez, c'est parti. 600 grammes d'eau. Quoi? Ah. Ah. C'est passé de 500 à 400. La tare maudite, quoi. 580. 600. Ah, 610. Merde. Hey, salut, Unknown Rock. Comment ça va? Capsock Live, mais vous êtes partout. Mais... Pff, le mec, il est partout. Il est où le café noir sans sucre, sans eau, sans tasse? C'est la meilleure chose, ça, voyons. Je pleure encore, là. Ajouter l'eau, le cube bouillon de légumes, insérer le panier de cuisson et y mettre les carottes. Ah oui, non, mais on laisse quand même... Ok, d'accord, j'ai compris. Le cube bouillon. Voilà, par contre, j'ai craqué, j'ai pas acheté de cube bouillon de légumes, du coup, ce sera un cube cubeur. Mais dans le cube cubeur, je pense qu'il y a de la viande. Donc ceux qui veulent vraiment faire végé, faut prendre aux légumes. Sel, nanana, huile de palme. En plus, il y a de l'huile de palme. Sel, arôme, balmala. Peut contenir œuf, lait, moutarde. Non, il n'y a pas de viande. Enfin, en tout cas, il y a des œufs. Il y a de l'œuf. Peut contenir œuf. Il y a de la prod, quoi. On met le cube, bouillon cube. Pif, paf, pouf. On met le panier. Mais du coup, avec le tofu. Et on met comment le panier? Comme ça? Comme ça? Ça plonge dans l'eau. Et les carottes, elles sont au fond là. Fuck. Fuck. Mais merde. Vous pouvez pas me dire que les carottes, il fallait les réserver de côté. Je suis obligée d'aller fouiller. À la recherche des carottes. OMG. Ah, et du coup, ça va cuire avec la vapeur. Ah ouais, ça va être bien, en fait. En fait, ça va être bien. Et si c'est pas bon. Si c'est pas bon, j'ai le seum. Non, parce qu'en vrai, ça sent bon. Par contre, arrête de glisser. Les carottes. Ça m'a fait pleurer. L'émotion et tout, là. Attendez, je rattrape le chat un peu. Excusez-moi. Ça charbonne bien, donc je suis content. Let's go, le charbonnage. Y'a Batou? Salut Batou! Y'a de la viande dans les cubes. Ah non, y'avait des œufs du coup. Tel. J'espère que les carottes seront cuites. N'hésitez pas à engager Doijou pour animer. J'ai l'impression que je l'ai déjà dit ça. Faux mariage, bar mitzvah, bien sûr, réunion d'entreprise. Imaginez une réunion d'entreprise, une petite réunion. Et le mec arrive et il fait des petites calembours comme ça là. Oh, en parlant de réunion d'entreprise, je voulais. En parlant de réunion d'entreprise. Vous savez, l'autre jour, j'ai passé un entretien. Vous savez ça, hein? Eh, je vous l'avais dit. Il se peut que j'ai obtenu le job. Il se peut que Vicky, elle sorte de la team Chomdu. Vicky va avoir un travail. Let's go. Vicky va avoir un deuxième écran. Premier salaire déjà prévu d'être dépensé dans le deuxième écran. Nice.
T'es dans ta potée avec tes doigts de fée, je fais ma fondue en sortant les doigts du... Let's go. Oh putain. Je suis d'ailleurs en représentation à la salle des fêtes Jean-Marie Bicard de Jouy-en-Josas. Merde, non, dois jouer. Pas d'effet Lioran Board, pas sur cet ordi, ça ne marche pas. Remboursez-lui ses points de chaîne, j'ai oublié de les désactiver. Merde. Il va m'en vouloir. J'ai un travail, j'ai réussi. Donc je suis contente. Mettre en place le varoma, ils mettent les PDT, le fenouil, le poireau, le chou-fleur. Ok. Les PDT, on passe à la deuxième partie. Cure à la vapeur, 30 minutes, varoma, vitesse 1. À deuxième écran, ça sauve la vie. Caps, depuis qu'il a son deuxième écran, c'est un homme différent. Est-ce que... Il faut quand même que je mette ça si je mets le varo, je pense. Parce que ça va pas se lancer si je fais pas. Oh, je suis en train. Oh non, faut pas forcer. À l'aide. Oh non, j'ai tout cassé. Voilà. Hop. Hop, ok. Varoma. À combien? À l'aide. Mais Vicky, si t'as un laptop, pourquoi tu t'en sers pas de deuxième écran? Tu peux te servir d'un laptop comme deuxième écran? Je croyais que tu pouvais pas. 30 minutes, varoma, vitesse 1. 30 minutes, varoma, vitesse 1. Ok! 30 minutes, j'ai pas mis 30 minutes. Attendez. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon, là c'est bon. Alright. Bon, bah c'est lancé. Et là on a plus qu'à attendre que la potée elle cuise. Doucement. Mais sûrement ça va cuire les légumes au-dessus. Une fois que ce sera cuit, il faudra que je rajoute dans le bouillon qui est en dessous le lait de coco. Et voilà. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Voilà. Superbe. Fantastique. Ok. Je vais me refaire un café. Couteau, plonge. Ça, là. Café, là. Après, c'est vrai que Caps, il est frais comme ses dessins, quoi. Il va vraiment un jour m'engueuler, premier degré. Normalement, laptop, tu peux pas. Eh ben oui. Troisième, c'est overkill. Mais non, mais troisième pour le chat. Comme les grands streamers, là. J'ai postulé, en fait, en gros, je vais essayer de vous expliquer. C'est pas évident parce que même moi, ayant fait des études dedans, j'ai un peu du mal à comprendre. En gros, j'ai fait des études en environnement. Et là, le poste pour lequel j'ai été prise, c'est dans une association qui aide à monter des projets d'énergie citoyenne. Un projet d'énergie citoyenne, c'est des gens dans une commune, où tu veux, qui se réunissent et qui ensemble vont monter une centrale d'énergie renouvelable. Voilà. Et donc moi, je serai chargée de plein de choses différentes et sur cette thématique finalement. Voilà. Donc plutôt cool. Plutôt cool. Parce que j'avais un peu perdu espoir de trouver un poste dans ma branche. C'était pas évident. Bon après septembre, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais au chômage quoi. Mais bon quand même, tu perds un peu espoir. Mais ça s'est bien passé. Voilà. Je vais te goumer en MP. à l'aide. Au secours. Est-ce que cette violence se traduit par une utilisation assidue des majuscules rapport à ton pseudo MD? Je vois qu'il y a des petits blagueurs par ici. Alors pour l'instant, je ne vois pas de... Mais je pense que tu peux pas lancer le truc si...
Ça chauffe. Ah, c'est en train de chauffer doucement. Ok. Ah, si. Alors, laissez-moi vérifier la crème de coco. Mais merci beaucoup pour vos GG. Merci énormément. Je stressais quand même, mais le mec m'a dit que finalement, au vu du feeling, voilà. Donc je suis plutôt contente. Ajoutez la crème de coco au contenu du bol et cuire 4 minutes. Sans le gobelet doseur, rectifiez l'assaisonnement. Servir aussitôt le bouillon avec les légumes et le tofu parsemé d'herbes. Ça se trouve, j'ai fait de la merde et le tofu, fallait pas le laisser à l'intérieur. Bon, enfin bref. C'est fini maintenant. Mais si, faut le cuire le tofu de toute façon. Mais Cap, c'est trop un amour. En fait, vous êtes trop à être des amours. Vous êtes tous des amours de toute façon. Bande de jambons. Qu'est-ce que je peux faire avec les légumes qu'on n'a pas utilisés du coup? Pour l'instant, j'attends de voir le rythme que je vais avoir à peu près. Mais l'avantage d'avoir mon PC maintenant, c'est que je peux streamer quand même quand je veux. Je serai en télétravail. Donc, bah, ce sera, je pense, plutôt en soirée du coup. Sûrement, je vais garder le dimanche après-midi comme je fais là en ce moment. J'aime beaucoup le fait de faire le dimanche après-midi en mode chill, tranquille. Et puis, non, mais je vais pas arrêter de streamer pour autant. Parce que je pense que quand je stream pas, de toute façon, ça me manque. Donc, j'ai besoin de streamer quoi. Alors, peut-être pas ça. Mais avec ça, on peut faire un bouillon. Je sais pas si j'ai choisi le bon truc pour faire le bouillon, mais. Une petite bébête là? Le petit cafard quoi? Ouais, salut Nintéo. 7777. J'ai glissé un intrus dans ce pseudo. Si vous avez l'œil, vous le verrez et vous partagerez. Oh! Est-ce que ce serait pas un truc de turbo boomer ça? Moi j'ai vu. Ah, Théo, moi je pensais que c'était le quatrième set. Le beurre. Comment ça le beurre? Comment ça le beurre? Des légumes frits? Des légumes frits? J'ai l'impression que ça fait rien. Est-ce que ça fait quelque chose? Peut-être que je le laisse tranquille. Tu les fais revenir dans du beurre? Ah ouais? Et après je fais quoi? Je fais une soupe? Juste revenir dans du beurre? Parce que là j'ai gardé les tiges vertes de fenouil. Mais ça c'est vraiment drôle parce qu'on dirait vraiment de l'aneth. Hein. Je sais pas si vous voyez. Non, comme ça. On dirait full de l'aneth. Revenir dans du beurre. Tu peux ajouter dans la recette, ça les fait en croquant croustillant. Ah. Ah. Et pour les faire revenir dans du beurre. Wow. Après, je connais pas les différents temps de cuisson des trucs. Des trucs et des trucs. Des trucs et des trucs. Enfin, je sais pas. Je pense que je préférerais faire une petite sous-soupe. On va faire une petite sous-soupe. Hop! On va essayer de faire ça. Ferais chier de gâcher des légumes.
casserole plonge. Une chapelure sur les légumes et les fers frais. Ah ouais, non, mais Akira, vraiment, genre, il faut que tu fasses un live cuisine. C'est toi qui as besoin de faire ça. Mon Dieu. Alors, mouiller à hauteur. Ça va être lourd. C'est lourd. Ça va être très long à cuire, pardon. Pas de gaspillage. Bah en vrai, si en plus ton père il est chef, t'as vraiment des bonnes astuces de cuisine. Alors que moi, j'ai un petit peu... pas se mentir. Hop. Du pepper. Putain, champignon, j'ai l'impression d'avoir le cumin et le curcuma en nez là. Ah, ça commence, ça fait de la vapeur, ça fonctionne, c'est incroyable. C'est magique en fait ce truc là. Hop. Et recabé. Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Ah bah ça ferait chier de, en fait, de voir tèche tous ces légumes là. Alors que là. Voilà. T'es en week-end. Ça fonctionne. Mais oui, mais j'avais jamais fait cette recette. Il est 11h05. Ah, il est déjà midi. Oh là là. J'ai pas envie de dire que je suis déjà en retard, mais... Enfin, je suis pas déjà en retard, mais... Bref. Ça sent bon, hein. Ah là là. J'ai envie d'ouvrir et de regarder, mais je peux pas. Tant pis. Tant pis. Pap. Combien de temps de cuisson? Là, il reste 19 minutes. En vrai, ça allait vite. Il reste 19 minutes de temps de cuisson. Ensuite, il faut que je rajoute genre le lait de coco, enfin la crème de coco dans le jus. Et ensuite, ce sera prêt. Donc là, j'ai juste mis les restes de légumes que j'avais en plus à chauffer leur côté. Comme ça, après, je vais pouvoir faire une soupe avec ce que j'avais en trop pour pas jeter. De toute façon, pas de gaspillage quoi. Tu prends un café, un petit moelleux. C'est ma mère, quand je suis rentrée de Disney, elle était trop mignonne, elle m'avait préparé de la blanquette. Et du coup, dans la blanquette, dans la sauce, il faut mettre du vin blanc. Du coup, j'ai le petit Sauvignon là. Ça m'a toujours tué cette toute petite bouteille de vin. C'est toute petite. Allez, pour combien cul-sec? J'avoue, je suis encore au café. C'est vraiment les trucs en plus. C'est pas du vin de fou quoi. Voilà. Ça reste du vin que t'ajoutes dans une recette quoi. Des mignonnettes. Je ne te MP rapidement sur Twitch. C'est juste pour avoir ton aval. Dis-moi-tu. La piquette. C'est comme les galopins. Et n'ira pas se prendre un petit galopin, hein? Oh putain, je suis trop une beauf. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire une post-caption potée, bien sûr.
Il y a eu ça là, ce matin, Akira? Ah putain, ça marche pas les points de chaîne, arrêtez! Sur place, ouais, on peut profiter du clip, bien sûr. Ça, non, c'est juste que ça marche pas ce matin pour le live cuisine parce que ça supporterait, l'ordi supporterait pas, mais cet après-midi ça remarche. Attends, Akira, ce que tu m'as envoyé en MP, c'est arrivé. Il y a eu un screen? Est-ce qu'il y a eu un screen de ce qui s'est passé? C'est pour une pote. non, mais c'est pas mon nouvel ordi, ça, c'est le PC portable. Oui, 11h30. Tu peux m'envoyer le screen, s'il te plaît, Akira? Bah, du coup, sur Discord. S'il te plaît. Oh, c'est relou, franchement. Je suis dégoûtée, là. Il s'est fait ban par... J'ai pas eu le temps, il s'est fait ban par le bot. Raid Protect a ban avant. Putain, il y a pas moyen de retrouver le... Fuck. Il y a pas moyen de retrouver le... vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de... Pour ceux qui comprennent pas ce que je suis en train de parler, apparemment, je me suis fait... Attends, dites-moi si je me trompe. Il y a un mec qui est arrivé sur mon Discord qui m'a ping et qui m'a insulté. Voilà. Parce que c'est important pour moi d'avoir des screens, ça me fait des preuves en plus. Enfin, des preuves. Bah, ouais, ce que je veux dire, quoi. Ah, bref, il reste 15 minutes. Oh là. Oh la dingue. Ouh, c'est chaud! La vache! Victoria découvre la chaleur. on a eu zéro notif de notre côté. Bah, il m'a ping que moi, finalement. Ça commence à bien faire les gens qui m'insultent. Ça me saoule. Arrêtez de m'insulter. Ah, mais l'emote wall, il est pas bien. What the fuck? Pourquoi il est comme ça? Quand tu chauffes quelque chose, ça brûle. Arrête! Genre dans la conf prévue. Ouais, vas-y, vas-y, Anno, carrément. Ah là là. J'adore me faire insulter et tout, c'est trop bien. Mais non, en vrai, les gens qui m'insultent, s'il vous plaît. Dans le cadre du privé, en mode 50 Shades of Grey, oui. Pas sur mon Discord, ce serait chiant. Ce serait chiant. Ça s'appelle de la vapeur, c'est chaud. Oh mon dieu. C'est chaud à vapeur. Je te conseille de faire un salon avant qu'ils rentrent dans le Discord, comme s'ils sont obligés d'avoir ton aval pour rentrer dans ton Discord. Ouais. Après, je suis... ouais. Bah, c'est déjà fait. Mais on a mis en place un bot, si tu veux. Je sais pas si tu avais vu Cabe la dernière... Mais en gros, j'ai eu un raid. C'était pas un bot, c'était un mec de la commune du mec qui me fait chier. Et bah, comme évidemment, il parle de moi et il dit ouais, petit patata. Il dit non, mais surtout n'allez pas la harceler. Enfin, finalement, tu sais, genre. Par exemple, c'est comme si tu disais oh putain, la meuf là-bas elle est bonne. Mais regardez pas. Hein. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Bah, forcément, t'as envie de regarder. Donc le mec il dit oh putain, elle est con, elle est machin. Mais n'allez pas la faire chier. Mais elle est con, mais elle est machin, tu vois. Donc forcément, c'est pas logique, quoi. Bref. Bref. Mais encore, caps par rapport à quoi? La Luda, j'ai 68 ans, quoi. Un an de la chaîne. Mais oui, un an de la chaîne, c'est today. Je dois y aller, j'ai des cours à rattraper et tout. Je repasserai sûrement plus tard. Des bisous, Adam. La famosa technique, les amis. Surtout, ne pensez pas à un chat. De ouf. Merci, Théo, c'est trop gentil. L'arrivant voit pas la liste de personnes, ne puisse pas parler dans le Discord ou rien de ce genre. Ouais. Oui, aussi, il y a ça. Hein. Mais c'est chiant de devoir mettre ça en place, tu vois. Enfin, par exemple, mettons, si le chat, comme l'autre jour, le mec est venu nous faire chier là sur Professeur Layton, là. Putain, ça commence à faire beaucoup de gens qui me viennent me faire chier à chaque fois que je live quand même. Si je mettais, par exemple, valider un numéro de téléphone pour pas aller dans le chat. En soi, c'est bien. Mais ce qui est chiant, c'est qu'en tant que spectateur, l'autre jour, j'avais raid une meuf, elle avait ça, et j'ai mis 5 minutes à valider mon numéro de téléphone. Donc ça m'a saoulé. Donc t'as pas envie de rester après. Ben, vous voyez, c'est ça qui est un peu chiant. Genre, je dois mettre des trucs en place parce qu'on me fait chier, et ça me fait chier aussi, quoi. Les deux autres m'ont informé de ça. Ok.
Ok. Ouais, bah oui, forcément. La vie, je pensais pas que ça faisait un an, mais ça fait plaisir. Comment il va, la Ludas? J'étais pas sur VIP. Le fondateur, un des fondateurs de la chaîne, quoi. Baisse pas le bras, espèce de pipe. oui, c'est sur. Non, mais c'est sur Twitch pour le compte. Voilà. C'était un peu. Voilà. Bref. Bref. Brefon. C'est pas le sujet aujourd'hui, c'est non. Mais arrêtez d'être méchants, les méchants. Sinon, j'arrive avec ma cuillère en bois. Ou j'ai des très gros couteaux. Ok? Be careful. Et là, attention, drama sur Twitter. Oh, Vicky Spline, cette streameuse menace les gens avec un couteau à la main. Elle est méchante. Arrêtez-la. Mon Dieu. Pourquoi? Ok. 11 minutes. 11 minutes. Akira, si tu veux, je peux faire ça, validé par un modo au lieu d'un bot. Vas-y. Nique les harceleurs. Mais punaise, mais totalement la Ludas. Vraiment nique. Moi j'en ai ras le bol. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. La cuillère dans le fion. D'ailleurs, Nini, ça me tue parce que. J'ai pris des screens du bot qui était venu nous faire chier, tu sais, qui était là. Ras la chance, machin. Et à un moment, le bot. Enfin, c'est pas un bot du tout. La personne dit. Je vous baise. Et Nini, elle répond quoi? Elle dit oh, trop cool quand ça. Répondre au harcèlement, genre. Vraiment par. Oh, trop bien, quand? Enfin, vas-y. Va jusqu'au bout, quoi, merde. Oh, la chance. Que de la gueule, quoi, merde. Putain, t'aurais au moins pu nous proposer quelque chose, quoi. Fais chier. J'ai screenshot. En fait, j'ai screenshot pour avoir, tu sais, le truc du mec qui vient nous faire chier. Et le moment où j'ai screenshot, il y a vraiment toi qui réponds, genre en mode. Oh, trop bien, quand? Et je t'imagine trop répondre ça, ça me pute de rire. Ouais, je te jure, la répartie, mais tellement. Mais donne des infos, merde! Baise-moi, c'est bien, mais quand? Tu fais chier! Tu vas pas jusqu'au bout! Du coup, j'attends toujours, quoi. Oh, putain. Non, je vous jure. Mais j'espère que ça va s'arrêter dans pas longtemps, parce que c'est comment... J'ai mis de l'eau partout. Ça, c'est typique. Comment ça me saouler, quoi. Qu'on vienne sur Discord. Qu'on vienne sur les lives et tout. Dimanche, quand j'étais sur Professeur Layton, que le mec, il a dit « copieuse ». J'étais là, mais ça, enfin, on est dans la cour de récré ou quoi? Bref. Vraiment, un niveau, vraiment. Merci, Chacha et Caps, pour les level up. Merci, merci, bien sûr. J'ai trop l'impression que je suis une capitaine avec mon micro casque. Bonsoir. Mais cœur sur toi, doué joue. Je trouve ça surprenant, c'est stylé de se faire emmerder sur tous les supports. Je vais faire une guerre contre ces gens-là. Nique les espaces. Nique. Mais oui, toi aussi, tu inspires... merde. Toi aussi, tu inspires de l'oxygène et tu rejettes du CO2. T'es une copieuse, wesh. Arrête de vivre, non? Je sais pas. Toi aussi, tu as 5 doigts sur chaque main. J'ai bugué. 5 doigts sur 2 mains, quoi? Non, ça c'est pas normal. C'est comme ça que tu cuisines. Mais j'ai fait une potée. Mais là, elle est en train de mijoter. Tu vois pas, là? Regarde. Tu vois pas la fumée, là? La fumée. Tu feras gaffe, meuf, t'es en train de cuisiner. Allô? Je suis un des rares organismes. J'arrive pas à lire. t'as utilisé quoi pour le rôle réaction? Ah putain, c'est Kozu qui m'a fait ça. Je sais pas. Par contre, il est lourd ce casque. 7 minutes! C'est chaud. Anaérobique.
comme l'aérobic. Des brocos avec quoi? On a du brocoli, on a du fenouil, on a de la carotte, on a de la PDT. Non, ça m'avait tué une fois mon père. Je lui avais demandé sa recette pour faire du gratin dauphinois. Et dans son message, il m'a mis PDT. Et là, j'étais au sol. Je trouve que dire PDT pour dire pomme de terre, c'est un niveau au-dessus. Genre vraiment, il m'a dit, ouais, tu... Merde. Oh. J'ai tout cassé. Oula. Il m'a dit, ouais, tu prends un kilo de PDT. Mais là, j'étais au sol. De la PDT, quoi. Des brocos du croco. Let's go. Faut se retenir de respirer suffisamment longtemps. C'est chiant au début. Hallucination, suffocation, mort. Mais franchement, on s'y fait. Non, mais PDT, genre vraiment la PDT, quoi. Il est lourd ce casque. Bah, je comprends pas. T'as la grosse tête pourtant. Vraiment, Ninis. Vraiment. Tu avais toutes les options devant toi, tu as choisi la violence. Vraiment. Je prendrais bien un petit 10 balles de PDT là. Comment il va, Salty? Salty, t'arrives sur un live pas décent. Est-ce que ça te fait bizarre? Ah ouais, plus près s'il te plaît. Est-ce que t'as aimé ce petit effet de proximité entre nous deux? C'est soit le cul, soit la violence pour Niniste. Ninis, j'ai dit Niniste, OMG. Vas-y, fais tourner de la PDT, là. Alors, la variété que j'ai en ce moment, là, c'est de la... c'est de la chair ferme, là. C'est de la petite chair ferme, ouais. Tu connais? C'est pas mal. Allez, 5 minutes. On va pouvoir mettre le lait. Faut que je sorte une assiette. On va essayer de dresser après. Il faut que je goûte si c'est pas bon. Oh. J'ai eu ces assiettes à Noël. J'ai des assiettes maintenant à Noël. Est-ce qu'on peut dire que je suis vieille? C'est donc ça de vieillir. On a des assiettes à Noël. Mais je les adore en plus. Elles sont très très belles. Je sors d'un live dessin. Comme ça tout est équilibré. Eh ben nickel. On parle de cul ou de drogue. Ça t'y va PDT, bon t'as. grosse frappe venait DM. Ou alors, tu sais, comme les flics qui essayent de se faire passer pour des dealers sur Snap. Est-ce que tu aurais de la marchandise? Est-ce que tu aurais du tubercule dans ta réserve? Gros. Alors, est-ce qu'on est dans les temps? Midi 12. Si je reprends à 14h, après on est tranquille. Ouf, la vieillesse. Bah oui. Mais elles sont superbes. Regardez, c'est des assiettes maison du monde. On s'est pas foutu de ma gueule. Hein. Elles sont trop belles. Je les aime trop. Ça, c'est parfait pour saucer. Pour saucer, c'est la vie. Vraiment. 3 minutes d'arrêt. Ah, ça sent fort le fenouil! Waouh, c'est parfumé. Hein. Incroyable. Est-ce que j'ai pas des herbes à rajouter? Pas du zéro déchet, mais on essaie de s'y rapprocher quand même. Hop là! Incroyable. Et rechat! Fuck le fenouil. Je viens de recevoir mon colis. Oh! C'est quelle marque que t'as commandé, Chacha? Tu sais pas manger correctement, t'en mets partout, nous voici des assiettes. Mais non, mais les assiettes creuses, c'est génial pour les pâtes avec la sauce. Des bisous, Ninis. Attends, je me rapproche. Des bisous. Je sais pas si t'es déjà parti, mais des bisous. Profite bien, il a bise à glou. Je fais une potée.
une potée végé. Ça vient de là. Les jardins de Gaïa. Et non pas la vallée de Dana. Oh, vous avez, les gars, le karaoké, ça va être insane. J'ai tellement envie de mettre l'ambiance officielle. Ouais, des bisous, ouais. Ça a l'air... les jardins de Gaïa, rien que ça, ça rend trop bien. Jardin de Gaïa. La boutique des grands thés bio. Oh, on est à Bordeaux. Incroyable. Merci, Chacha. Regarde, moi, je me suis acheté ça l'autre jour. C'est une tisane minceur. Mais c'est plus pour l'odeur que... Attends. C'est plus pour le goût que l'effet minceur. Ah, si tu pouvais sentir. Il y a rhubarbe. Oh là, ça sent trop bon. Rhubarbe. Fraise. Et guarana. Minceur, ouais. Je sais pas comment tu... je sais pas. Bref. C'est un pisse mémé, quoi, dans tous les cas. Voilà. Oh, Le Xerce. Comment il va? Comment ça va, Xertes? Ça sent trop bon, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Oh, 40 secondes, les gars! Imminent. C'est quoi la suite de la recette? Ajouter la... répartir le tofu et les légumes dans des assiettes creuses. Ah, tu vois, il faut des assiettes creuses. Ajouter la crème de coco continue bol et cuire 4 minutes à 105 degrés vitesse 2. Sans le gobelet doseur. Eh ben, il va bien. Eh ben, il va bien aussi. Petite recette. Alors... Faut mettre les légumes dans l'assiette et ensuite pourquoi je retiens pas, pourquoi je retiens hop, cuire 4 minutes 105 degrés vitesse 2, 4 minutes 105. Alors nos légumes sont mieux qu'un spa, quoi. Ok, par contre les légumes du coup ils vont être hyper fades. C'est les légumes cuits à la vapeur, c'est le bouillon qui doit les... Ouais. Ouais, ouais, le français, ouais, 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 carrément, ouais. Ouais, carrément, ouais. Alors, on va faire un petit test. Oh, j'en ai déjà mis à côté, quoi. Quel enfer. Ah non, moi j'adore les brocolis. Hop. Voilà. Et puis c'est parfait parce qu'il est l'heure de manger, donc... Alors. Et donc là, ma crème de coco. J'ai pris un peu de tout. Il y a des fruits, des bois, de l'agrumes, du vanillé, de l'épicé. Oh là 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 là. Oh, tu donnes trop envie là. 4 minutes 105 degrés, vitesse 2. Alors, 4 minutes. À 105 degrés vitesse 2. Et il faut quoi? Des bisous la Ludas. Peut-être à toutes. Je suis là toute la journée hein. 100 grammes de crème de coco. Ah, il faut que je fasse une tare. Il faut tarer. Allez, c'est parti. Oh, oh, trop bon. Ah non, j'en ai trop mis. C'est ok. Oh, c'est une maxi, c'est une tuerie. C'est une tuerie, la crème de coco. Je savais pas que c'était bon comme ça. What the fuck? Waouh. Oh, c'est méga bon. S2. Ok. Ok. C'est
savez ce que je viens de faire là? Je viens d'oublier qu'il y avait un panier et je viens de mettre la crème de coco sur le panier. Il fallait bien que je fasse une connerie. Il fallait bien que je fasse une énorme connerie. Oh, c'est brûlant en plus. Comment vous voulez retirer ça par contre? Sa mère. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. It's ok, it's ok, it's ok. Tout va bien. C'est pas grave. J'ai oublié qu'il y a le panier à l'intérieur. Top Chef, ce sera peut-être pas pour de suite. À vitesse 4. Attends, mais... Je veux pas que ça mixe, moi, je veux juste que ça cuise. Ah, mais je suis obligée. Bref. Et salut Poppy! Crème de coco, tu mets avec soja curry. Oh là là! Oh là là! Miam miam miam! Oh! Comment ça, Koa, elle prend Luigi sur Mario Party? Mais quel enfer! Ah, attends. Attendez une minute! En vrai, ça va, ça a enrobé un peu le tofu et les carottes, donc il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Hein. Ça sent bon, en vrai, waouh! Choqué. Ça sent vraiment bon. De toute façon, il y aura du lait de coco dans la sauce, donc... J'ai envie de vous dire. Alors qu'un petit Yosh là? Mais non, mais je prends Harmony moi. Team Harmony, bien sûr. Vous êtes fous quoi? Luigi a les faveurs du jeu selon la légende raconte que. Alors. Je vais mettre un peu de carotte et un peu de tofu. En tout cas, je sais pas, mais c'est joli. Genre, c'est coloré et tout. En tout cas, ça donne envie. Regardez. Merde. C'est beau, en vrai. J'ai pas eu beaucoup de PDT. De la PDT! On veut de la PDT. Et ça sent bon. En vrai, ça sent vraiment bon. Le reste, on va le réserver. La dernière fois que j'ai joué au jeu, j'ai eu 7 étoiles. Oh! Ok, putain. Et merci pour le joyeux anniversaire, Poppy. J'espère que tu vas bien. Tandis que le jus mijote. Tandis que ma soupe, là, mijote aussi. On attend de faire le taste test. On y est bientôt, mesdames et messieurs. Je vais peut-être... comment je vais faire? Un petit tube? Est-ce qu'on a un petit tube là? Je vois peut-être après. Il faudra tout ranger. 30 secondes et c'est prêt.
Toi, Jou, t'as combien de petites blagounettes comme ça? C'est incroyable. Quel homme. Je te donne faim alors que tu manges, t'imagines ça quand même? Ça, c'est insane. Après, ça se trouve, ça va pas être bon. J'aurais le seum quand même. Non, ça va forcément être bon. En tout cas, c'est beau. Et si c'est beau, c'est déjà bon. Oh! La potée? Alors peut-être la potée? Mesdames et messieurs, c'est le moment. Rectifier l'assaisonnement si nécessaire. Servir aussitôt le bouillon avec les légumes, le tofu parsemé d'herbes fraîches. Coriandre. Bleh. La coriandre. Bleh. Ça, c'est-à-dire, je vais me brûler la langue là. Oh, c'est trop bon. Oh, la tuerie. Waouh. Je rigole même pas. Oh, c'est trop, trop bon. Waouh. Arrête-toi, je vais prendre le bol. Waouh. C'est hyper bon. Regardez. Oh, c'est le bouillon qu'on a fait depuis tout à l'heure qui est infusé avec la crème de coco, là. Ouais, aïe, c'est super beau, ça rend bien, je suis trop contente. Et voilà, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, la potée de fête. Voilà. Maintenant, t'en fais pour la commu. Ah ! Pourquoi deux plats ? Parce que ça rend mieux comme ça. Incroyable ! C'est mieux père qu'impair. Attendez, j'enlève ça. Est-ce que je goûte? Goûte la potée. C'est laquelle le... Je la casse. Vous êtes prêts pour le taste test? Cache ou tire. Alors. Ok. Grand moment. C'est trop bon. Ça manque un peu de sel. Moi, j'adore quand tout est trop salé. Mais alors, c'est une tuerie. C'est super bon. Waouh. Je suis choquée. Incroyable. Si c'est dégueu, j'éclate de rire. Non, c'est vraiment. J'ai hâte de manger, je commence à avoir faim. Darky, t'auras les restes. Bien sûr. Regardez. Attendez. Bon, maintenant que c'est fini. Attention, je vais vous faire vomir. Attention. En vrai, ça rend super bien. Le bordel dans ma cuisine, un peu moins. Mais ça rend super bien. Voilà. Je peux pas tourner. Quel enfer. Je peux pas tourner la caméra. C'est pas grave. Regardez, vous êtes là. C'est pour ça que j'ai du mal à lire le chat. Voilà. Les dessous du stream cuisine de ce matin, mesdames et messieurs. Regardez ma webcam actuellement accrochée ici. Regardez le système D, quoi. Ici, j'ai le reste de soupe qui cuit, la crème de coco que je vais réserver, le reste, le tofu, le machin, truc bidule, chouette. Ou alors je fais comme les influenceuses, attendez, comment elles font? Ouais, salut à tous, bien sûr. Voilà, donc le pire c'est que niveau image ça rend bien, mais oui, ça rend bien.
Système D, c'est normal. Les gars, du coup, voilà pour ce matin. C'était la potée de fête, c'est ce qu'on avait dit. Et regardez là si j'ai l'air con parce que je me filme. Incroyable. Donc, je vais cut le live ici pour ce matin. On se retrouve à 14h et à 14h, on fera des jeux ensemble. Ok ? On sera plus posé derrière mon ordi. On fera la petite fête. La fête continue, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller vous substanter. On prend des forces pour cet après-midi. Hein ? On prend des forces, il y aura karaoké, tout ça, tout ça. Et puis, voilà. Et puis, bravo à tous pour la potée. La potée. La potée vous fait une bise. Des bisous tout le monde et puis à tout à l'heure. Oh mais merci beaucoup KB pour les 5 abonnements offerts. Merci énormément pour Terine, Temet, Adam, Kerasion et Batou. La beauté. Merci énormément. Vous êtes trop gentils. KB qui régale. Des cœurs pour KB quoi. Finalement. Attendez. Je peux faire un petit exclamation love avant de partir. Puis on se retrouve tout à l'heure, les gars. Je fais des bisous à toutes. Bisous.